Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo défi du cauchemar, puisque les derniers défis du cauchemar sont arrivés et je vais vous aider tout simplement à réaliser le défi consommer un butin légendaire en étant tout simplement une ombre. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut être aidé tout simplement par 4 joueurs. Donc vous pouvez aller avec vos potes et ils peuvent vous aider. Donc s'ils mangent un butin légendaire, ça vous validera le défi. Pour ma part, je vais vous montrer une petite technique qui va vous permettre de faire le défi en une seule game tout seul ou avec des amis. Du coup les gars, c'est parti, on se retrouve directement en game. Ok, du coup les gars, on se retrouve directement en game pour réaliser ce défi qui nous demande de consommer un objet légendaire en étant une ombre. Donc la première étape, ça va être de soit trouver l'arme légendaire ou l'objet légendaire, soit tout simplement de devenir une ombre et ensuite de chercher l'objet légendaire au fur et à mesure de la game. Donc je vous rappelle les gars, et c'est pour ça que je suis à Fatalis, que les cartes de boss sont en légendaire et les armes de boss comptent quand vous les mangez. Donc là, la petite technique que je vais emprunter, tout simplement, ça va être de tuer Fatalis, puis de me barrer et de me suicider et de manger sa carte tranquillement. Et vous allez voir que le défi va se valider. Donc là, j'ai de la chance. Je suis tout seul. Donc même si je meurs par Fatalis, c'est pas grave. Donc là, 3 HP, on va essayer de les garder quand même. Donc là, moi, ce que je veux, c'est la carte d'accès. Comme je vous ai dit, Iron Man, ça marche. Et Fatalis, ça marche. Donc là, maintenant que vous avez la carte d'accès, donc peu importe le boss, comme je vous ai dit, que ce soit Iron Man ou Fatalis, ça marche. Vous allez vous barrer, mais vraiment loin. Pas besoin de prendre les armes de Fatalis, etc. On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les armes, enfin, les cartes de boss. Donc comme je vous ai dit, Iron Man, ça marche. Donc je vous le rappelle, Iron Man, il est à Stark Industries en F3. Et Fatalis, il est tout simplement en D2, D3, juste ici, donc au fief de Fatalis, tout simplement. Donc là, regardez, je me suis mis dans un coin. Faut savoir que quand vous devenez une ombre, vous respawnez exactement là où vous êtes mort normalement. Donc là, vous allez vous mettre, par exemple, dans un coin comme moi. Vous allez jeter la carte juste ici. Voilà, vous allez la jeter. Donc vous faites bien attention qu'il n'y ait personne, bien évidemment. Alors attention, ça marche pas en fort d'empoigne, les gars, bien évidemment. Ça marche qu'en solo duo ou squad. On prend quelques builds, voilà. On se suicide. Vu que j'ai 3 HP, ça va très vite. Là, on peut voir que je réapparais. Donc, je vais attendre. Là, comme je vous ai dit, je vais mettre un petit marqueur juste ici pour dire que ma carte, elle est juste là. Je vais la manger et vous allez voir que le défi va tout simplement se valider. Et ça, c'est vraiment la technique que je vous conseille parce qu'elle est hyper simple. Donc, en gros, vous récupérez soit la carte de Fatalis, soit la carte d'accès d'Iron Man. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la consomme. Vous voyez, c'est bien un objet légendaire. On voit le défi en haut à gauche, consommer du butin légendaire en étant une ombre. Le défi s'est validé, on obtient bien le sac Bobo. Du coup, les gars, on se retrouve directement dans le casier. Comme ça, on va un petit peu voir à quoi ressemble ce fameux sac. Donc voilà, les gars, on se retrouve directement dans le menu de Fortnite. On peut voir que j'ai bien obtenu le sac à dos Bobo. Donc Bobo qui a sonné ce singe fait partie de l'ensemble Cauchemar 2020. Donc on peut voir, voilà, c'est tout simplement un sac basique singe, voilà. Tout simple. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à me dire votre avis en commentaire de ce que vous en pensez de ce sac. Et sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.